Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et si tu reçois l'alerte et si tu vois cette vidéo, c'est que tu es abonné car cette vidéo, je ne la partagerai pas sur les réseaux sociaux. Elle restera uniquement sur YouTube, donc si tu es tombé dans cette vidéo, c'est que tu es potentiellement intéressé à ma chaîne YouTube, à l'Australie, à l'Océanie, au monde de l'auto-entrepreneuriat. Sur cette chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube des entrepreneurs, de la liberté, des voyageurs en Océanie. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne. J'ai annoncé en fait hier sur mon profil Facebook, car je suis rentré en France il y a environ 10 jours, que j'aimerais offrir un voyage avec une personne de mon choix. Alors ce ne sera pas tiré au hasard comme l'année dernière où j'avais offert un voyage à 3000 abonnés à Bali. Là ce sera une personne qui aura vraiment le mérite de me soutenir cette année. Donc il n'y a pas un calcul matriciel, oui tu as liké, tu as commenté, tu as mis un tel nombre de messages, etc. Ça va vraiment se faire au feeling. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le départ, depuis 2012. À l'époque, j'avais que 50 likes sur ma page Facebook, j'avais quelques abonnés, je le faisais avant tout pour moi. Et au fur et à mesure des années, ça s'est transformé en mon boulot à temps plein d'aider les backpackers. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion, de pouvoir conseiller, se sentir utile. En fait, moi, je suis ingénieur informatique, mais je fais indirectement de l'informatique avec mon boulot, car je fais beaucoup de vidéos, je m'occupe aussi de mon site internet, donc je fais beaucoup de parties techniques. Et pour l'instant, en tout cas, j'arrive à plutôt bien me développer, et là, je suis vraiment très heureux. Et tout ça, c'est pas arrivé par hasard, c'est grâce aux 100 000 personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Vous êtes quasiment 25 000 sur Facebook. J'ai lancé aussi mon groupe Les Jambes Australie, vous êtes 15 000. Instagram, vous êtes aussi très nombreux. Bah, sur YouTube, on se développe aussi, on est quasiment à 5 000 abonnés. C'est vraiment extraordinaire de capter une telle audience, que c'est le plus compliqué quand tu as une audience comme ça, c'est de toujours la garder, ne jamais la perdre, et de jamais perdre le fil conducteur. Donc je sais que j'ai des gens qui me suivent depuis le départ, je pense qu'elles se reconnaîtront dans cette vidéo. Il y a des gens qui me suivent depuis 2012, ça fait 6 ans, j'arrive à fidéliser une quinzaine de personnes. Et ça, c'est vraiment extrêmement complexe parce qu'en général, bon voilà, tu fais ton voyage, tu refais dans ta petite routine. Et moi, mon objectif justement sur cette chaîne, c'est toujours garder cette petite flamme et de faire rêver un maximum de monde. Parce que je sais qu'il y a des gens malheureusement qui ont des contraintes, qui n'ont pas forcément la chance que j'ai aujourd'hui. Même si voyager n'est pas une chance, il y a des gens qui ont des contraintes parce que vous avez peut-être un gamin, vous avez peut-être des crédits. Et ça, ça peut totalement se respecter, mais j'ai eu la chance de le faire jeune. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de contraintes, donc je le fais encore. Et je vais essayer de le faire au maximum pour pouvoir partager. Dans tous les cas, même si un jour j'ai tout cet engrenage, je continuerai ma passion, bien sûr, vous l'avez compris. L'objectif, en fait, c'est de vous allez choisir une destination. Et après, donc, n'hésitez pas à réagir en cette vidéo. Et après, on pourra en discuter par rapport à ça. Il y a bien sûr l'Asie qui n'est pas très chère. En fait, il y a l'Indonésie, il y a Bali, il y a les Philippines. Tu as aussi la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Et après une heure de montée à Nusa Penida, regarde la petite coconut, elle fait super du bien. Pour 1€, franchement, je me rafraîchis. Franchement, c'est une des randonnées les plus difficiles de ma vie. Bon, un conseil, si vous venez au Tanalo, ça reste une merveille. Mais soit vous venez le matin, parce qu'en fait il n'y aura pas de touristes,
soit venir en fin de journée pour le coucher de soleil. Mais en journée comme ça, c'est vraiment très dur, éprouvant, très touristique. Voilà. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Sané pour les Zéros pour cette nouvelle série de vidéos à Bali. Je suis là pour 30 jours. Je vous donne un maximum d'informations. No Eiffel Tower. What's your name? Kadedalma. Yeah. Oman. Damien. La vue, elle est exceptionnelle. Et voilà, j'arrive en bas après quasiment 45 minutes de descente. Si je vous dis que c'est super physique, soyez prêts, mais physiquement et mentalement. N'hésitez pas à réagir à la fin de la vidéo pour vous proposer une destination. Ça pourrait être très bien les Philippines, Bali, ça pourrait être la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. J'aimerais faire beaucoup l'Asie car en fait c'est une destination qui coûte pas cher, on peut vraiment s'éclater. Alors l'Océanie j'adore, bien sûr c'est mon activité à temps plein, c'est ma passion. Ce qui est subtil c'est que la vie sur place c'est quand même assez cher et en plus je connais déjà, donc voilà. Donc ça aurait plutôt un sens de partir un peu en Asie ou partir éventuellement sur une île en Océanie que je connais pas. Donc n'hésitez pas à réagir à la fin de vidéo, de mettre un petit commentaire, choisir une destination. Ça se trouve j'aurai un commentaire et ben ce commentaire là ce sera l'abonné qui suivra toutes mes vidéos et qui est tombé sur ma vidéo au moment présent. Ça se trouve j'aurai 2 commentaires, ça se trouve j'aurai 10 commentaires. Moi je recherche aujourd'hui surtout la qualité sur mes abonnés YouTube. J'essaie toujours d'être proche de ma communauté. Allez salut les amis, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. My father.